informations présentées proviennent de la profondeur des coulisses et du secret des alcôves. Je vous mets donc en garde. Évitez tout comportement désinvolte ou irrespectueux. Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Nous vivons les derniers moments d'un monde qui s'étiole et nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère de l'humanité terrestre. Devenez conscient que nous sommes à l'aube d'un incroyable événement qui marquera à jamais l'histoire de notre époque, celle de l'interstellarité. Pour bien comprendre cette série de 3 épisodes sur le transhumanisme, je vous invite d'abord à regarder 2 autres vidéos. La première est la volte-face des contrôleurs numéro 1, qui est une présentation des nombreux traités qui ont été signés entre des races non terrestres et nos gouvernements depuis les années 1930. Mais vous pouvez aussi en trouver la liste dans mon ouvrage « Premier contact ». Ce sont tous les traités qui ont été signés puis renouvelés au fil des décennies, ainsi que la construction des premières bases souterraines aux USA, en commençant par le développement de la zone 51 en 1955. Et la deuxième vidéo, la volte-face des contrôleurs numéro 2, qui est une présentation détaillée des acteurs et la chronologie des événements depuis l'opération Paperclip en 1945, ainsi que la mise en place du nouvel ordre mondial. Il y a 2 versions du nouvel ordre mondial. La version numéro 1, qui s'est déployée entre les années 1950 et 2021, qui était accompagnée par l'agenda 2021, et la version 2, entre 2021 et 2030, accompagné par l'agenda 2030. Cette seconde vidéo explique également comment le développement du transhumanisme pendant des décennies a eu sa source dans les tests qui étaient faits par le Troisième Reich en Allemagne jusqu'en 1945, puis par le Quatrième Reich aux USA jusqu'à nos jours, grâce à toutes sortes de programmes, notamment le programme MK Ultra. Des programmes de toute nature ont été testés sur des humains, en secret, dans des bases souterraines, pendant des décennies, puis implémentés en surface sur des individus, de petits groupes, puis sur de larges zones de population humaine. Ils ont abouti directement à ce que nous connaissons aujourd'hui et qui est en train de se déployer devant nos yeux, l'agenda 2021 est en train de se terminer et d'être remplacé par l'agenda 2030. Ce dernier est en plein essor et 65% sont déjà mis en place sur toute la planète.
Ils sont illustrés dans ces deux graphiques que j'ai traduits et qui m'ont été remis par Zen, mon contact extraterrestre, en 2016. D'un point de vue philosophique, ce qui transcende l'humain s'inscrit dans un courant de pensée remontant à l'Antiquité. La quête d'immortalité de l'épopée de Gilgamesh ou les quêtes de la fontaine de jouvence et de l'élixir de longue vie. Des réflexions du même ordre se retrouveront plus tard chez Darwin, qui pensait qu'il était très probable que l'humanité telle que nous la connaissons n'en soit pas au stade final de son évolution, mais plutôt dans une phase de commencement. Les racines du transhumanisme contemporain, dont nous voyons les technologies impacter notre vie quotidienne, découlent directement de tous ces programmes et mouvements, grâce notamment au développement des intelligences artificielles, des nanotechnologies et des connaissances neurologiques avancées. Le transhumanisme prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains et de supprimer le vieillissement et la mort, ce que font aussi les extraterrestres, notamment grâce aux technologies des lits médicaux et des capsules holographiques. Certains auteurs pensent que l'humanité serait déjà transhumaine de manière inconsciente grâce aux progrès considérables des dernières décennies, surtout grâce aux progrès de la médecine, de la technologie, de l'informatique et de la robotique. De manière inconsciente en effet, car depuis les années 1990, le transhumanisme a évacué les bases souterraines et les laboratoires clandestins pour s'installer en plein jour face au grand public. Les techniques sont passées d'une biologie plutôt primitive à un aspect nettement artificiel, notamment grâce à l'avènement de l'informatique, de l'Internet, de la mobilité numérique 5G et depuis quelques années, de l'implantation des intelligences artificielles dans le corps humain, dans les muscles et sous la peau. Les premiers signes de transhumanisme dans le corps humain ont été remarqués chez un nombre croissant de politiciens, de célébrités, d'élites, de chefs d'État ou de dirigeants de multinationales qui ont été photographiés dans des réunions, des interviews ou des shows officiels télévisés avec des yeux au beurre noir. Ces célébrités comme par exemple George Bush, Kanye West ou le pape. Pourquoi ce tsunami qui dure depuis une trentaine d'années touche-t-il des personnes d'un pouvoir et d'une influence considérable? D'un côté, des politiques
qui appartiennent aux différentes sphères gouvernementales à un niveau mondial et de l'autre, des célébrités du divertissement et de Hollywood. L'idée a été émise que ces ecchymoses peuvent être dues à la chirurgie esthétique, mais aussi que ce seraient les signes d'un rituel pendant lequel leurs âmes ont été arrachées et remplacées. La scalpation de l'âme, une pratique similaire à celle des Indiens d'Amérique du Nord qui scalpaient le cuir chevelu d'un adversaire. Une théorie moins extrême soutient que le phénomène n'est rien de plus que l'industrie du divertissement capitalisant sur la prise de conscience récente du public de l'existence de groupes très secrets comme les francs-maçons et les Illuminati. Mais supposons un instant qu'il ne s'agisse que de marketing médiatique. Cela signifierait qu'ils utilisent des signes ou des gestes pour manipuler le comportement et les actions des populations. Le résultat final est le même si des artistes ou des politiciens utilisent la symbologie des groupes secrets dans leur rapport avec le public en y faisant ouvertement référence. Prenons quelques exemples de cocardés, des personnes avec des cocards, et les explications qu'ils donnent pour le justifier. Il y a 24 ans de cela, en avril 1998, la chanteuse Madonna a déclaré qu'elle faisait rebondir sa petite fille Lourdes, âgée de 18 mois, sur ses genoux, lorsque la tête de l'enfant a heurté la sienne au niveau des yeux. En 2002, George Bush s'est étouffé avec un bretzel, il s'est évanoui, est tombé de son canapé et sa tête a heurté le sol. En 2008, la chanteuse Kelly Osbourne a dit que le contenu de son armoire lui était tombé sur la tête. En mai 2008, l'acteur et producteur Gene Stamos souligne qu'il s'agit d'un accident de kickboxing. En mai 2009, l'acteur et musicien Ryan Gosling a accidentellement été frappé par Harrison Ford dans une cascade pendant le tournage du film Blade Runner. En janvier 2011, pour le musicien, auteur-compositeur Justin Bieber, c'est le résultat d'exercices d'entraînement au kickboxing. En 2011, le sénateur du Nevada, Harry Reid, a été vraiment malchanceux car il a glissé et est tombé en courant sous la pluie. Et de nouveau, en 2015, une seconde blessure à l'œil en 4 ans est apparue après avoir fait des exercices physiques avec un gros élastique qui s'est cassé et il s'est écrasé dans une armoire. En septembre 2011, l'actrice et productrice Reese Witherspoon a eu un accident de voiture. En janvier 2012, le secrétaire d'État pendant la présidence d'Obama, John Kerry, s'est cassé le nez en jouant au hockey sur glace.
En février 2012, Jamie Oliver, qui est un chef cuisinier et animateur britannique, est tombé dans les escaliers de son domicile. En juin 2012, Lady Gaga a été frappée au visage avec une perche lors d'une performance. En décembre 2012, l'acteur et producteur Robert Downey Jr. n'a pas jugé nécessaire d'expliquer son coquard à l'œil gauche. Par deux fois, en avril 2013 et février 2015, le prince Philippe s'est réveillé avec un œil au beurre noir dans un cas et il n'a donné aucune explication dans le second. En avril 2014, le rappeur Kanye West a été frappé dans un affrontement après avoir quitté une boîte de nuit. En février 2015, l'homme politique irlandais, plusieurs fois ministre, Michael Noonan, a subi une chirurgie oculaire, sa deuxième en quelques années. En juin 2017, le prince Andrew York a refusé de commenter. En juillet 2017, le sénateur de l'Arizona, vétéran de la guerre du Vietnam, John McCain, s'est fait retirer un caillot sanguin de 5 cm avec une incision des sourcils. En septembre 2017, le pape François s'est coupé en heurtant la fenêtre de la papamobile. En octobre 2017, le pape Benoît XVI est tombé. En mars 2019, l'homme politique américain, maire de l'une des plus grandes villes dans le Vermont, Bernie Sanders, s'est coupé sur le rebord d'une porte de douche en verre. En octobre 2019, Jimmy Carter, à l'âge de 95 ans, a chuté et sa blessure a nécessité 14 points de suture. En février 2021, l'homme politique américain Mitt Romney a lui aussi fait une chute qui a nécessité plusieurs points de suture. Cela fait beaucoup de célébrités qui chutent, sont frappées par des perches, des poings ou avec des objets contondants. Y en a-t-il également en France? Les artistes et politiques français, contrairement à leurs homologues américains et britanniques, semblent beaucoup moins chuter, si ce n'est dans les sondages. En juin 2012, l'écrivain et avocat Maître David Kouby, qui représentait Jérôme Kerviel dans son procès contre la Société Générale, a été pris à partie dans un embouteillage par un homme à scooter qui lui a demandé de bouger sa voiture. L'échange s'est envenimé et l'homme lui a asséné plusieurs coups de poing. Et finalement, en octobre 2017, Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, est apparu dans plusieurs émissions télévisées avec un coquard. Il avait fait du kitesurf en profitant du vent breton et il se serait pris la barre en pleine figure. Des théoriciens du complot suggèrent que l'œil gauche, qui est particulièrement ciblé, est une cocarde, une récompense ou une marque d'honneur donnée à ceux qui se sont frayés un chemin jusqu'au plus haut sommet de la pyramide du pouvoir, de l'argent et du succès.
il suggère qu'il existe un lien entre les cocardés et les dieux égyptiens, Ra, l'œil droit qui représente le soleil, et Horus, œil gauche qui représente la lune. Horus est une des divinités égyptiennes les plus anciennes et un des dieux les plus importants du panthéon égyptien. Il est le plus souvent représenté avec une tête de faucon. Dans l'Égypte antique, devient la divinité protectrice des pharaons et est constamment associée au pouvoir royal. Les rois d'Égypte s'identifient à sa puissance ainsi qu'à son rôle de garant de l'harmonie universelle. Il est considéré comme le dieu du ciel et des espaces célestes. Comme vous pouvez le voir, on retrouve en haut de l'arbre Ra, le dieu soleil, créateur de la terre, de l'univers et du cosmos. Il est le père et le roi de tous les dieux, dont Jeb, le dieu de la terre, et Nout, la déesse du ciel. Jeb et Nout mirent au monde 4 enfants, Isis, Osiris, Nephthys et Seth. Osiris prit pour femme Isis et Seth, son frère, épousa Nephthys. Pour comprendre dans quelles circonstances est né Horus, il faut d'abord que nous parlions du mythe d'Osiris. D'un côté, on retrouve Osiris, considéré par tous comme l'être parfait, et de l'autre, son frère Seth représenterait le mal et le désarroi. Une jalousie intense va naître entre Osiris et Seth, les deux frères, attisée en particulier par deux événements. La nomination d'Osiris comme digne héritier du trône d'Égypte, et la femme de Seth, Nephthys, envoûtée par le charme et la prestance d'Osiris, se fait passer pour Isis dans le but d'avoir un enfant avec lui. De cette union interdite, naquit Anubis, fils illégitime d'Osiris et de Nephthys. La rancœur de Seth envers son frère est telle que cela va le pousser à l'assassiner. Il le noie dans un sarcophage, mais Isis arrive à le faire renaître à la vie et Osiris devient alors le dieu du royaume des morts. Son fils Horus s'en prend alors à son oncle, l'assassin de son père, pour le venger. Le choc final entre les deux adversaires va déterminer celui des deux qui accédera au trône. Seth, profitant du sommeil d'Horus, lui arrache l'œil gauche et le coupe en 6 morceaux qu'il jette dans le Nil. Cinq morceaux sont retrouvés et le dernier est remplacé par une particule divine. Les 6 fragments reconstitués deviennent alors l'œil magique d'Horus qui permet à Horus de voir au-delà du visible. La question importante est pourquoi voit-on de plus en plus la symbolique de l'œil gauche avec des cocards ou cachée par une main ou mise en valeur? Pourquoi maintenant en 2022? Qu'est-ce qui a changé en 30 ans
qui a provoqué cette éruption d'œil gauche blessé et l'apparition de la symbolique de l'œil d'Horus. La réponse est l'émergence de l'Internet, de technologies avancées et de la mise à disposition des informations de manière planétaire. Au fur et à mesure que les agendas 2021 et 2030 se déploient et que les yeux des populations s'ouvrent à ce qui était pour l'instant non visible, il n'est plus nécessaire de le cacher. Tout au contraire. Mais alors, qu'est-ce qu'exactement que ces cocards et à quoi sont-ils réellement dus? Eh bien, ce sont tout simplement les premiers essais d'implantation à l'intérieur du corps humain de technologies transhumanistes. Elles étaient plus biologiques pendant des décennies, mais elles sont maintenant gérées par des intelligences artificielles. Souvenez-vous du terme « scalpation de l'âme ». L'idée de cette technique existe depuis les années 1940. L'illustration la plus récente et la plus précise est présentée dans la série Stargate. Les Goa Uld sont une race d'anciens astronautes qui parasitent le corps de leur hôte. Certaines célébrités qui ont subi cette chirurgie et qui se sont séparées des groupes au sein desquels ils les avaient reçus, puis sont devenus des lanceurs d'alerte, ont raconté qu'on leur avait mis un genre de long verre grisâtre au fond de la gorge ou à l'arrière de l'œil, le ver s'infiltre dans le corps et parasite le cerveau. Lorsque l'opération est complète, l'être humain parasité doit simuler les émotions qu'il n'a plus et qui ont fait place à un esprit rationnel et scientifique qui est plus de l'ordre d'un clone de type humain, robotisé, et plus vraiment d'un homo sapiens. Mais les technologies sont de nos jours beaucoup plus invisibles et avancées qu'elles ne l'étaient alors. J'aborde ces points dans le second épisode de cette série de trois. Dans l'épisode 2, nous verrons la relation entre les cocardés, le transhumanisme et la pandémie de Covid. Et en troisième partie, le lien entre le transhumanisme et la spiritualité, ainsi que l'éveil de l'humanité dans son ensemble et d'un point de vue planétaire. L'épisode 2 et l'épisode 3 seront publiés en même temps le jeudi 26 mai à 19h. Et le dimanche 29 mai à 17h, nous aurons un direct question-réponse sur cette thématique auquel je vous invite à participer, mais que vous pourrez aussi visionner en replay. Cette présentation est terminée. À très bientôt. Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur. Pour faire partie
de cette nouvelle communauté planétaire, cliquez sur « Rejoindre » sous la vidéo.